Par une conférence pour la presse, et tu as aussi Jean Spanella, tu as aussi Jean David, tu as Thomas Joseph Fett, et tu as Clermont. L'objectif de la conférence, c'est pour déclarer l'ambassadeur américain en personnage Don Gata et dénoncer le sénateur. Qui t'aime, nous avons annoncé un gros signe qu'a fait devant l'ambassade des États-Unis. Nous avons fourni, j'ai gardé pour nous, qui a fait une conférence pour la presse. Conférence pour la presse. Mouvement pour liberté et égalité tout haïtien, Molegaf, les médias pour fixer position sur plusieurs dossiers qui ont brassé le pays d'Haïti pendant masse peuple là, dans le quartier populaire, a gémi dans la misère, pauvreté et chômage. C'est lui qui n'a pas accompli là. Je ne veux dire à nous, c'est menti. Pas de promesse qui n'a pas accompli là. Mais c'est Matéli, t'es dit, moun qui chante Massio, la baokai. Mais pas ça que fait. C'est un petit monde le baio, puis elle mange dit oui, on a après pour retourner dans le grand boulot de misère, en battant ou l'autre côté, même j'ai été en battant sous chante Mass là. Il y a parlé aussi d'un gouvernement clair. Nous-mêmes, étant que militants progressistes, nous disons menti. La présidence pas claire, le ministre pas clair. Sénateur pas clair. Du côté de la présidence, tout le monde a un dossier nationalité étrangère qui a parlé pour M. Matéli. Il y a un dossier corruption qui a parlé pour M. Matéli. Il fait corruption avec le monde international, là, avec le pays voisin, nous, sénateur, qui en République dominicaine. Dans le premier c'est un dossier corruption. Ça montre qu'il n'est pas clair. Et il est bruit. Non, c'est l'endroit. Les gens qui sont dans la présidence, et c'est étranger qui est, Mme Matéli, qui a fait corruption avec l'argent à Bagrangou. Non, c'est l'endroit. Il est bruit que ministre, par exemple, Théano, non, c'est le bagaille louche, bagaille sauvage, bagaille laide. Je ne veux dire là, il est clair que c'est trafiquant de drogue qui est. Il faut nous déclarer ça. Pour tout le monde connaît, c'est un pouvoir drogue, un pouvoir corruption. Et sénateur Clérier, tout le monde connaît Mounsayo, il est sale dans la société et nous-mêmes nous propositionnons pour nous dire vraiment sale. Et pas oublier, dans le Parlement, il y a un pile sénateur qui est proche, M. Matéli. C'est corrupteur qui est, c'est corruption qui a fait. Avant d'être sénateur et pendant le sénateur, il a participé dans pile action sauvage, dans le crime. Dans le monde, dans le coup d'État. Et je dis à là, l'air pas sénateur encore, la justice parle, maré yo, yo dans droit. Tout le monde connaît Yuri Latoti qui vous nie. Tout le monde connaît Lambert, Jacques-Mel qui vous nie. C'est des séries d'éléments sales qui ont. Donc nous-mêmes militants, nous avons attaqué yo parce que c'est la corruption qui a fait, c'est l'élément qui compliqué yo. Je ne dis à là, il n'y a pas qu'à venir faire la loi. L'en prend position pour l'argent, bon contre M. Matéli, l'en fait quoi? Je dis à là, c'est marchand de pays qui est. Il a sorti mal dans l'histoire du pays. Comme sénateur qui sale, sénateur marchand de pays, sénateur qui baise quoi? Pour acheter des armes, sénateur qui baise quoi? Pour attaquer militants, sénateur qui baise quoi? Pour aller dans l'élection dans le Sénat. Ce n'est pas un sérieux qui a fait, il n'y a pas de développement durable. Je ne sais pas quoi insérer dans le pays, je connais comme méchant, criminel, marchand de drogue. Je ne veux dire là, l'air vous pas sénateur encore, il n'y a pas attaqué et il n'y a pas arrêté pour crime, corruption, comme deal drogue qui est fait. Je dis à là, il est sorti sale, il est sorti mal devant la population et nous nous propositions pour nous dire c'est méchant, c'est criminel, c'est dealer drogue qui est, société à prendre note pour qu'on ait ces éléments sales qui est. Mais au sale, poche au sale, lèvres au sale, cerveau au sale et on fait crime. Et à attaquer, la justice parle, maré, pas sénateur encore. Je dis à l'humilité, il y a taille mandat, entrer dans la corruption, dans fait vie action, dans la corée extrême droite, dans la corée type de pouvoir ça, pour jeunes garçons, toujours dans le grand goût, dans la mal cité,
Donc nous disons, la bataille va continuer. Les sénateurs pour marrer comme criminels, comme méchants, comme marchands de pays et comme dealers de drogue dans la société. Nous disons, à tous les sénateurs marchands de pays, vive bataille peuple là pour changement réel, changement durable, pour militants jeunes de travail. Et nous continuons à déclarer Kenneth Metten, persona non grata, libre de fouet bouche dans l'affaire Etienne Béhi. L'ambassade américaine, non, si tu n'as pas commencé exactement à 17 avant pour finir à midi. N'attend tout le monde. N'attend par exemple FOPAC qui c'est une grosse organisation. N'attend réseau BAI. N'attend MOSSO. N'attend victime choléra. N'attend tête collée organisation populaire. N'attend masse populaire cité soleil. N'attend bataille ouvrière. N'attend tout militant, sympathisant, zami, molégaf. Et Napton, tout employé révoqué, qui croit dans fait changement, qui va dans ses collègues avec impérialistes, tout le monde, qui va d'accord avec le monde qui a dominé le pays. Estimé, il y a deux gros raisons qui fait M. Kenneth Metten porter main forte par M. Matéli. Première raison, c'est parce que M. Kenneth Metten, c'est compatriote M. Matéli. Deuxième raison, c'est parce que M. Matéli garantit prolongement mandat MINUSTA. Nous mettons sous pied un groupe armé sous nom ancien militaire. Donc, toute grosse bataille, non, tout le monde, nous cassons rendez-vous devant l'ambassade américaine côté nous bral avec la population déclaré M. Kenneth Metten, persona non grata. L'ambassade américaine a foué bouché dans la politique pays d'Haïti. Pour qui ça va demander pour payer les choléra qui étaient victimes? C'est parce que les Américains, si l'ambassade a des gros bagages sérieux, ils ont demandé pour payer les choléra.